Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons essayer ad vitam aeternam de terminer cette mission de tuer le boss qui malheureusement nous empêche de progresser. Notre premier essai était ok, on va dire. On a réussi à entamer la deuxième phase. Puis j'ai acheté un quatrième scale et patatras. Ça n'allait plus du tout. Donc on va aller dépenser les quelques 9000 miranium que j'ai avant que je n'en récupère de nouveau. Et ça ira. On est tous niveau 5 ici, donc on n'a plus que celui-ci. Hop. Et il y en a 3, il nous en manque 3. Hein. Je sais pas toujours comment on va les chercher. Ni si on le fera, mais en tout cas pas tout de suite. C'est fort probable. Alors, où est-ce qu'on va? À Koldros. Et on essaye cette fois. On va essayer de le tuer. Et puis si on n'y arrive pas, on passera en mode facile une fois qu'ils nous proposeront, vous savez. Si on galère vraiment de trop, ils nous proposent le mode facile. Il y a moyen que sur ce boss-là, si ça passe pas, hein, on passe en facile. Et c'est pas garanti que ça passe. Mais hop, on va embarquer. C'est en partie dû au fait que j'ai pas envie de farmer des sous plus que ça sur le jeu pour acheter des pièces d'équipement de scale. Et on va juste cette fois également espérer que mes alliés ne se fassent pas éclater la gueule dès qu'on rentre. Parce que à peine le combat avait commencé qu'on s'était fait éclater. Rappelez-vous. L'ascenseur. Mes alliés ne me suivent pas. J'adore. Ils ne peuvent pas rentrer de toute façon. Donc, hop, j'ai cru que je m'étais bloqué derrière en faisant descendre l'ascenseur. Donc voilà, il est là. Hop. Dès que j'entre, ils arrivent. Mais cette fois, on va essayer de se séparer. Non. Ok, déjà ils ont pas pris la masse de PV. Ah bah si, ce qu'elle est belle. Ok, bon ça c'est pas cool. Donc c'est pas cool. J'ai toujours pas, j'ai l'impression que je fais toujours pas de dégâts. Résistant, non mais ça par contre ça va pas le faire. Il résiste à toutes nos attaques, invincible. Enfin fait les gars. Ah non, je viens de le faire. Il est vraiment invincible à toutes mes attaques. C'est assez atroce. Ah bah si elle est belle, ouais ok. Bon. Bah ouais mais non, en fait. Tu te fais éclater la tronche. Alors je sais pas si c'est mes armes qui puent la merde, mais... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est invincible à tout ce qu'on fait. C'est un peu le sous-size. Invincible, invincible. Non mais faut arrêter par contre. Hein. Il est invincible à tout ce qu'on fait. Ok. Gwen est mort. J'attendais un peu, mais... Il résiste à tout et il nous canarde la gueule, non mais... Je comprends pas, en fait. On fait des dégâts comme ça, mais... Non, il est invincible, c'est juste n'importe quoi. On lui fait zéro dégâts en fait. C'est quand même un problème, non? Tous les dégâts qui ne sont pas... Ouais non, tous les dégâts comme ça, gravité,
Ça c'est quoi? C'est délivre laser. Ok, donc laser et gravité ça ne marche pas. Ça, ça marche. Laser et gravité c'est non. Des dégâts d'armes, ok. Bon, il craint le corps à corps. Par contre le reste... c'est non en fait. Ouais non mais ça ça sert à rien. Ok donc les dégâts de laser... Laser et gravité non. Bon ça ça sert à rien non plus. C'est vraiment uniquement les dégâts physiques. Autant vous dire, c'est pas grand chose. Comme ça, il est invincible. Ah, parce qu'il y a les gravités. Ok, gravité, c'est vraiment naze. Gravité, il prend pas de dégâts. Ok. Il faut que je change tout ce qui est gravité et laser. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de thunes pour pouvoir changer ça. C'est là le problème. Ok, maintenant, même ça, il. Ah, maintenant il prend des dégâts. Ah, il change, sérieux? Oh, ouais, non, mais... Maintenant il est invincible au physique. Oh, bah super. S'il faisait des dégâts tout à l'heure, c'est plus le cas maintenant. Ok, donc je peux pas prendre les deux en fait. Je peux prendre juste. Je peux juste en prendre ce que j'ai en fait, c'est pas si mal. Un peu de tout. Là, on se fait éclater là. Maintenant ça y prend des dégâts. Ça il est invincible, bah super. Ouais mais là ça va être compliqué quand même. Ok, on a perdu Elma. Ok, on va descendre dans notre scale hein. Et on va crever, voilà, ok. Alors, le jeu. Oui, voilà. On a diminué la difficulté, hein. Parce que là, le jeu, je sais pas ce qu'il nous fait, mais. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On est bien d'accord. Il commence par des résistances laser et gravité. Et une fois qu'on arrive à la moitié donc, de sa première phase, donc c'est-à-dire un quart de vie, ça s'inverse. On n'est pas arrivé, hein. On n'est vraiment pas arrivé. Je peux même pas... modifier l'équipement, quoi. Là, y a rien. Y'a rien. J'ai pas le niveau pour équiper les trucs de niveau 50. Je n'ai pas le niveau. Voilà. Je ne suis pas au niveau du boss. C'est problématique de pas être au niveau du boss. Parce que pourtant, les autres combats, je les ai passés. Je vais pas dire avec facilité, mais je les ai passés. Mais faut dire que le grind de niveau sur à partir de ce niveau-là, la 43. Déjà, le niveau 40, c'était chaud. Hein. Et là, niveau 40, ça t'apporte que dalle. Hein. Les quêtes, elles t'apportent rien. Faut faire un milliard de trucs à côté. Faut faire les quêtes de soutien, par exemple. De toute façon, là, je suis obligé d'aller faire cette quête. Là, sinon, je peux plus gagner. Donc, enfin, je peux pas faire d'autres quêtes. J'ai oublié de faire la principale. Mais j'avoue que le niveau du le grind, autant dans Xenoblade Chronicles 3, Xenoblade Chronicles 2, même le premier, j'ai pas. Si le premier c'était un peu plus galère déjà, mais ça allait. J'avais eu besoin de faire qu'une seule session de entre guillemets de farm pour gagner des niveaux.
et ça allait pour rattraper un peu le retard, parce que j'avais pas fait beaucoup de quêtes secondaires du tout dans le premier. Je m'étais concentré sur l'histoire et ça a passé. Le 2, on n'a pas vraiment besoin, on fait des quêtes secondaires un peu, mais on n'a pas spécialement besoin de le faire. Et le 3, pareil, hein, le niveau du... on n'a pas de problème pour le niveau, mais on a quand même la difficulté qui peut être là, quoi. C'est assez bien dosé. Là, je vous avoue que si tu farmes pas, entre guillemets, l'XP en faisant des quêtes secondaires depuis le début du jeu, ce n'est pas forcément le plus palpitant. Les quêtes secondaires rapportent vraiment zéro d'XP, quoi. Et comme c'est un peu le seul moyen de gagner de l'XP, c'est un peu difficile. Faut l'avouer. Ok, niveau 40. C'est quand même 10 niveaux en moins. Non, 5 niveaux en moins. Ah, mais même ça, faut arrêter de se prendre ces dégâts-là. Ok, il continue de nous emmerdifier. Il continue de nous emmerdifier. Il est toujours invincible à ça, c'est génial. Ok, il est invincible à tout toucher, c'est assez atroce. Ça, ça m'a pas changé. Non mais il est invincible à tout là, c'est atroce. Ok, là c'est... il est... non mais je comprends rien. Tout à l'heure c'était les... c'est ça qui est un... oh mais... ça a rechangé. Ah non, il prend les dégâts de ça. Très bien. Il prend plus de dégâts physiques, il prend les dégâts comme ça. Non, parce que les belles ne meurent pas. Ok. Ça devrait bientôt changer, je pense. On est invincible. Le truc, c'est que mon scale, il sert pas, là. Arrête de focus scale et belle, c'est relou. Ah, mais c'est... il est invincible à toutes mes attaques, là, c'est atroce. Toutes mes attaques, il est invincible. C'est assez problématique. Ah ça, il est invincible à ça maintenant. Okay. Il prend les dégâts physiques maintenant, ça y est. Il faut commencer à lui péter la gueule. Ok, on a envoyé le piège. Maintenant, il... oh non, barrez-vous. Barrez-vous! Comment on esquive ça? Pas de bouclier les copains, c'est assez problématique. Waouh, là par contre ça, on l'a tabassé. Ok, ça c'est un peu heal, c'est cool. Ok, il prend plus de dégâts avec ça, donc on va essayer de faire avec ça. Il est invincible. Hop. Ça c'est invincible évidemment. Mais il faut que je descende. Ah merde, j'ai pas ça. La merde alors. Ok, il est invincible avec tout ça, c'est génial. Je leur redonne un peu de... okay. Ah non, oh, j'ai mis flic. Ok. Ok. Un peu de heal. Scaline, elle prend cher. Ça pas du tout. C'est chaud, hein. Ça
ça reste chaud. Par contre, en mode difficile, on est en mode facile. J'ai pas de heal. On en doit rater. C'est pas le moment de rater là. Ah, ça fait 0. Ah, ok. Ah, ça va faire 0. Ah non, ça va. Il est mobilisé, ce qui est bien. On fait les dégâts de feu, ok. Oh non, barrez-vous! Putain, mais on voit pas les dégâts, on voit pas ça. C'est assez atroce. Ok, un peu de heal. Faut pas qu'ils perdent leur ciel. Hein. Et ça a fait des dégâts. Prendre des dégâts de feu. Parce qu'on sait qu'il y a une deuxième phase. Le problème c'est qu'il garde des PV. Ah putain, Rigwen. Okay, c'est un peu de heal, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ok. Expérience de base 2000, c'est pas mal. À moins que ce soit déjà la deuxième phase? Non. Ah, c'était peut-être déjà la deuxième phase. Ah oui, la première, ça sauvegardait qu'on l'avait faite, on était direct dans la deuxième. Ah, c'est possible ça. Eh oui, c'est ça. Ah, ok, intéressant. Je pensais qu'on refaisait la première et la deuxième phase, mais non. Ok, c'est juste la deuxième. Plus de combats là-haut, et plus d'excuses. Donne-nous les données. Allez-y, Elma. Allez-y, tirez si vous êtes si sûr de vous. Évitez simplement de toucher le terminal. Alors, qu'est-ce que ce sera? La poitrine? La tête? Vous avez une chance sur deux? Le destin de toute l'humanité est en jeu. J'aime cette possibilité. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Non, Elma. Pas comme ça. Écarte-toi, Aline. Si j'arrive à désactiver son mimosome, nous devrions pouvoir extraire les informations ensuite. Non, bon sang, ce n'est pas la question. Nous sommes tous du même côté. Tu. Ah, c'est mieux aussi. Mais pourquoi? Toi aussi. Mais pourquoi? Écoutez, Elma, je comprends la colère de là-haut. J'ai perdu ma famille dans un accident. Il y a bien longtemps. Enfin, il y a longtemps. Mais si quelqu'un me disait que j'avais une chance certaine de les sauver, puis m'a annoncé que ce n'était qu'un mensonge égoïste, je... Qui sait ce que je ferais? Lily. Ce serait affreux, horrible et immonde. Et pourtant... C'est précisément ce qui fait de nous des humains. Peut-être. Peut-être qu'on aurait vraiment dû être éradiqués. Mais alors? Lynn. Terminal de données. Prends-le. Quoi? Mais là-haut. J'abandonne. Ma petite croisade. Je suppose que... Je suis aussi pourri que tout le monde. J'ai changé d'avis. Je croyais faire ça pour leur bien. Mais en réalité, j'ai fait ça pour moi. Et pour me venger. C'est fini maintenant. Alors partez. Le noyau de l'arche de vie a un système d'autodéfense automatisé. Ça va prendre de temps pour en venir à vous. Si vous dépêchez, vous arriverez à temps. Il a raison. Il n'y a pas de temps à perdre. Lynn, peux-tu terminer l'analyse ici? C'est techniquement faisable. Mais sans la console centrale de NLA, ça prendra du temps.
Alors, nous n'avons pas le choix. Rentrons à NLA le plus vite possible. Vous aussi, là-haut. Rentrez avec nous à New LA. C'est ça, oui. Comme si je pouvais remettre les pieds dans cette ville. Ça ne se passera pas comme ça. Pas quand tout le monde saura ce qu'il s'est vraiment passé. Ils ne seront peut-être pas tous d'accord, mais ils comprendront tous. Tu es naïve, Lynn. Ils vont m'enfermer et m'oublier. Ou pire. Bien pire. Peut-être. Mais c'est de votre faute. Vous avez des comptes à rendre, alors quoi qu'il arrive, nous vous ramenons. Je préférerais me faire tirer dessus. Allez là-haut. Rentrons à la maison. Bien, comme vous voulez. Mais vous n'avez pas le temps de m'évacuer, partez d'abord. Mais c'est... Elma ? Il a raison, Lynn. Le temps presse. Nous devons faire vite. Tu peux pas juste le prendre sous le bras avec ton scale ? Là-haut, nous vous envoyez... On va vous envoyer des médecins. Ne bougez pas, d'accord ? Vous n'avez pas le droit de mourir d'ici là. Vous m'entendez ? On se verra à New LA. Bon, il va clamser, hein, le monsieur. Il a abandonné la ville. D'accord, ouais. J'ai compris. Vas-y, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Tatsu? Tatsu partage gamelle spéciale avec Lao. Parce que Lin lui dit que Lao pas droit de mourir. Alors Lao restait vivant pour Lin. Ou Tatsu tue Lao. Tatsu, mon dieu. Tu restes vivant sinon je te tue. En tout cas, c'est un beau geste, quand même. Pas le droit de mourir. Bien sûr que je ne vais pas. Même si je me suicidais, je me réveillerai dans un nouveau mimé aux hommes. Charmaine. Shenshi. Désolé, les filles. Je crois que papa ne va pas pouvoir vous rejoindre tout de suite. Bon sang. Je vais l'une sur l'autre jusqu'à ce que j'arrive. T'es au courant qu'à partir du moment où tu meurs, j'ai pas envie de dire qu'elles disparaissent, mais plus personne saura qui elles étaient, quoi. Donc là-haut, t'es la seule personne encore en vie qui permet de faire exister le souvenir de ta fille et de ta femme. Et c'est pas en crevant que tu vas les rejoindre, hein. Je suis désolé de te la prendre. Tu vas juste les faire disparaître. C'est un peu dommage. C'est super triste. Donc, reste en vie pour elle, hein. Et profite au lieu de tout taper. De tout vouloir détruire. On devrait pouvoir parler à Vandam. Hop. Tell me you got it. Yes, sir. Dites-moi que vous l'avez eu. Oui, chef. Ouf, merci. Allons l'analyser. Commandant, attendez. Lao est toujours dans la base du ganglion, dans Coldross. Il est gravement blessé. Oui. Et où est-ce que tu veux en venir? Tu ne veux quand même pas qu'on aide ce sale traître. Il a essayé de vous tuer. Si, mais il a beaucoup souffert, commandant. Vous connaissez son histoire aussi bien que nous. Lorsque nous sommes engagés pour le projet Exodus, nous savions qu'il y aurait des cas comme Lao, peut-être même des centaines. Prenez le cas d'Irina. Elle a encore beaucoup de mal à accepter la perte de son frère.
mais nous avons choisi de continuer tout de même pour le bien de l'humanité. Mais Irina n'a pas essayé de nous tous nous tuer. En fait, elle essaie même de faire tout ce qu'elle peut pour aider Blade. En effet. En êtes-vous bien sûr? Comment ça? C'est ce que dit Gwen. D'après lui, elle se comporte de façon étrange. Elle est imprudente, presque suicidaire. Je pense qu'elle veut peut-être mourir. Ah, moins cool, du coup. Cela prend différentes formes, mais la source vient du même endroit que là-haut. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais on peut chercher à comprendre pourquoi. Très bien. Nous allons le rapatrier. Ah. Merci. Merci, commandant. Faut que je change son casque, Aline, ça va pas du tout. Je ne m'exciterai pas trop à ta place. J'ai quand même lubrisé tous les os. Cela va prendre du temps pour finir l'analyse. Regroupons-nous à la caserne. Ah, des sous. Peut-être pouvoir acheter des équipements. Sauvegarde a réussi. Parfait. Équipe. Équipement de terrain pour Lynn. Équipement mode, je crois que c'est juste le modèle. Hein. On voit sa tête. Ça c'est très bien. Ça va bien avec la couleur de son truc, ça. En dessous. J'arrive même pas, c'est le bras gauche. C'est le bras gauche. Ouh, je vais mettre le même modèle. C'est pas mal celui-là. Tectagé. On va essayer de voir le tectadé du coup. Voilà. Pas le tecta des par hasard. Enfin juste le tecta. Non. On va mettre ça, c'est tout. Ça ira. Ce sera mieux que son casque déjà horrible. Ok. Ouais, je crois que j'ai moyen de... De mettre des inserts. Les équipements. Ça en ajoute un emplacement. Pas des trucs intergalactiques. Voilà ça, intergalactique. J'ai pas de Miriam, super. Ah, il faut 24 000, ok. Ah, c'était 20 000 déjà tout à l'heure. Ça coûte cher. Je gagne pas assez de miranium, hein. On le sait. Hop, on va quand même dépenser le plus qu'il nous reste. Parce que sinon c'est perdu. Hop. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que c'est pas trop mal. On a fini le chapitre 11. On commencera peut-être, on verra ce qu'il faut faire pour le chapitre 12 dans le prochain épisode et on verra et on fera les prérequis. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao tout le monde!